Ça va bien ici? Oui, merci. Ça va me faire du bien un moment détente. Ah oui, puis j'ai vraiment des bons produits. Je vais commencer par le sérum, puis après ça, je vais vous appliquer le masque. Puis vous allez voir, là, ça va être vraiment détendu. Puis après ça, je vous laisse tranquille. Hein? Moi, là, je m'organise toujours pour que mes clientes, là, soient confortables, calmes. Mais c'est vraiment important, hein, de prendre du temps pour soi. Ouais. Ah bon, je vous mets une petite musique douce. Ma toune. Avec tout ce qui se passe dans le monde, là. Les catastrophes écologiques, les meurtres, les magouilles politiques. Oui, allô? Hey, Steve, je t'ai dit de pas m'appeler pendant que je travaille. Ben non, j'ai pas eu le temps. Ben arrange-toi avec le voisin. Non, non. Pas moyen d'avoir 2 minutes à moi. Ah, des fois, j'aimerais ça, là, changer de place avec mes clientes. Juste pour avoir un petit moment de détente. La sainte paix. Hey, les chicanes de voisins, ça se peut-tu? Hier, là, il faisait marcher sa tondeuse pendant que j'essayais de lire. J'ai dit, tu pourrais pas faire ça un autre jour? On est dimanche! Si au moins t'avais une tondeuse manuelle, ça fait bien moins de bruit, puis c'est bien plus écologique, hein? Non, non. Hey, il m'a regardé, là, comme s'il y avait des fusées à la place des yeux. J'ai dit, hey, je vais me taire. Si ça se trouve, c'est lui qui a le réseau dans ma feu puis qui fournit les gangs de rue. Oh, non, 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 non. Moi, là, faut que je déménage de là. Faut que j'aille dans un endroit, là, plus calme, hein? Plus tranquille. Est-ce que je peux entendre le chant des oiseaux au lieu de l'autoroute, mettons? Comme ça, mes clientes, ça sera plus détendu, plus tranquille, hein? Je pourrais mieux prendre soin de ma clientèle. Ouais. Excusez. Oui. Oh, merde, excusez-moi. En passant, on pourrait-tu prendre rendez-vous? Ah, oui. C'est que je suis psychologue. As-tu vu le dossier des communications MP? Ici. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu te donnes la permission d'aller dans mon bureau, là? Tu sais, c'est confidentiel, ces dossiers-là? Je voulais juste vérifier quelques petits détails. Qu'est-ce que tu voulais vérifier? C'est mon dossier. C'est que il y avait des petites erreurs. S'il y avait des erreurs, là, c'était à toi de m'en parler, là. T'avais pas d'affaire à aller dans mon bureau, puis c'est confidentiel, ce dossier-là. OK, Gisèle, arrête, là. Faut qu'on se parle. J'ai parlé à ta fille. Elle me l'a dit. Je peux plus le cacher, c'est ça? Ça explique les écarts des derniers temps. Cancer du cerveau. 3 mois. Il me reste 3 mois. Ah, c'est pour ça que tu voulais céder tes parts de la compagnie? Ouais. Je voulais pas laisser ma fille avec des problèmes. Regarde, fais-toi-en pas, OK? Je te laisserai pas tomber. Puis, si ça peut même te soulager, je vais les prendre, moi, tes parts. Regarde. Quand tu seras prête, OK, fais-moi signe. Je suis pas prête. Je suis pas prête à affronter la mort. Je comprends. Ben, inquiète-toi pas. Je suis ton ange gardien.